aujourd'hui, on apprend à faire un cake. Quand il faut une recette simple à concevoir, pour le goûter ou bien le dîner du soir, tout le monde regarde et Emily moins le quart. Avant de commencer, vous pouvez faire préchauffer votre four à 180 degrés. Pour cuisiner un cake, il y a d'abord la recette de base et ensuite vous choisissez vous-même votre garniture. C'est pour ça que j'adore cette recette. Pour la recette de base, il vous faut 200 g de farine, 3 œufs, 100 ml d'huile d'olive et 100 ml de lait et un sachet de levure. Donc on remue à la fourchette, au fouet, au batteur électrique avec ce que vous voulez. Et une fois que votre base est bien mélangée, on va ajouter notre garniture. Donc moi j'ai choisi le fromage de chèvre, les tomates confites et herbes de Provence. Ça va sentir bon le midi dans ma cuisine. Quand notre garniture est bien mélangée, il n'y a plus qu'à la mettre dans le moule à cake. Et pour les plus gourmands, je rajoute toujours un petit peu de gruyère râpée sur le dessus. Et maintenant, on fait cuire notre cake 40 minutes à 180 degrés. Et voilà, un cake à la provençale parfait. À très bientôt pour Il est midi moins le quart. Partagez en commentaire les photos de vos plus beaux cakes. Et dites-moi quelle garniture vous avez choisie.